Donc voilà, sur mon vieil oscillo, le mode menu qui ne fonctionne pas, qui pose pas mal de soucis, hein, donc le RMS va tomber faux, j'imagine. Le temps est bon. Amplitude des 0 volts. Alors qu'on n'est pas du tout, hein, on est sur du signal carré, on est sur le carré de test. Hein. Et je passe en digital memory, par en couille. Sur le deuxième, donc c'est rigoureusement le même. Hein. Celui-ci, au contraire, pareil, hein, le signal carré de test. Là, impeccable. Si je regarde la RMS, ça fonctionne, je regarde le min, pareil, je regarde l'abs, pareil. Les valeurs là-haut tombent juste. Pas d'erreur. Et on est toujours là aussi branché sur leur borne de test. La différence entre les deux, ben je sais pas. 32A. Ah oui, c'est pas tout à fait la même référence. 3315. Donc c'est un peu tous ces problèmes-là qui m'avaient poussé il y a quelques mois à acheter le petit Antec là. Qui est un DSO, hein, c'est pas un analogique comme les autres là-bas. Comme vous voyez, j'ai toujours pas rempli mon petit bordel. Toujours en train de trier mes deux composants. C'est pour ça qu'il y a plein de boîtes plastiques là sur ma table. Voilà, et là on est plutôt sur un mode DSO, donc purement software, enfin firmware quoi. Donc du coup j'en aurai au moins deux qui marchent. Un transportable, le DSO, et un lourd pour l'atelier, le Philips.